Très bien, mes chéris. Maintenant, vous allez rencontrer vos mamans. Par ici, ma belle. Et attention! Oh, toi aussi? Arrêtez ça tout de suite. Allez, mettez-vous dans vos berceaux. Ah, voilà qui est mieux. Oh, Madame Adams vient de passer. Et la famille Johnson est là, elle aussi. Ah, voilà. Prenez vos bébés. Vous pouvez y aller maintenant. Oh, c'est bizarre. C'est quoi cette tenue? Oh, vous inquiétez pas pour ça. Je m'en occupe. Allez, bye bye! Bienvenue dans ta nouvelle maison, Mercredi. Skyler, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, Tyler. Merci, c'est mieux comme ça. Tiens, ma chérie, c'est pour toi. Oh, Tyler, il y a vraiment un truc qui cloche. On devrait se tirer d'ici. Très bonne idée, chérie. Mercredi va adorer son gâteau. Allez, c'est le moment de fêter son anniversaire. Mais qu'est-ce que tu fais, chérie? Mercredi s'essaie à la décoration d'intérieur, on dirait. Salut maman, salut papa. Joyeux anniversaire, Mercredi. Fais un vœu. Non, je suis pas d'humeur à manger des bonbons. Mais par contre, je prends ce nounours. J'avais justement besoin d'un sujet pour mes expériences. Mon petit Teddy va subir un vrai choc. Ouah, sauf qu'il peut! Attends-moi, Tyler! Je savais que ça vous plairait pas. La prochaine fois, frappez avant d'entrer. Bonne nuit, chérie. Bonne nuit à toi aussi, Tyler. On est enfin passé du jour à la nuit. Et les cauchemars commencent. T'as vu ça, Skyler? Ouah, qu'est-ce qui se passe? Ça pourrait être un fantôme? Regarde, Skyler, il y a des traces de pas. C'est plutôt suspect. Chérie, il faut qu'on les suive jusqu'au bout. Fais juste attention. Le métier de chasseur de fantômes, c'est vachement dangereux. Regarde, ça mène vers la chambre de Mercredi. Tu es sûre, chérie? J'en suis sûre, il est là-dedans. On dirait que vous avez vu un fantôme. Ah, encore elle et ses blagues. Du calme, Tyler, c'était une petite farce. Mais on devrait quand même se protéger d'elle. Voilà, c'est bon. Allez chérie, c'est tard. On va se coucher. Utiliser cette commode était une excellente idée, Skyler. Oh! Alors là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, Mercredi. Du calme, Tyler. C'est juste une photo de notre fille. Regarde comme c'est mignon, chérie. Ça t'irait vraiment bien. Pourquoi t'essaierais pas? C'est beaucoup trop joyeux pour moi. Pourquoi pas essayer celle-là, alors? Juste pour voir. Oh, je veux trop celle-là! Mercredi, c'est beaucoup trop gothique. Tu veux pas faire peur à ta maman, n'est-ce pas? On va plutôt s'occuper de tes cheveux, ok? Je me demande de quoi t'aurais l'air sans tresse. Regarde ce que maman a pour toi. Ah, c'est beaucoup mieux comme ça. T'es tellement belle maintenant. Oh, et on va te maquiller un peu. Juste un peu de paillettes pour ma belle petite étoile. C'est vraiment magnifique, tu trouves pas? Maman, c'est trop mignon! Je veux pas de couleurs vives. Le noir, ça se démode jamais. Mercredi, c'est exactement comment se faire belle. En étant macabre et effrayante. Tout comme elle adore. Oh, c'est vrai. J'ai failli oublier. Tu vas adorer mon look, maman. Tu penses que j'ai besoin d'une nouvelle coiffure, c'est ça? Pas de problème. Le bus scolaire est déjà là? Chérie, tu... t'as oublié ton sac à dos? On a une nouvelle élève dans notre classe aujourd'hui. Dites bonjour à Mercredi, tout le monde. Elle est trop chelou. Allez, va t'asseoir, Mercredi. On va commencer la leçon. Je suis pas contente non plus d'être coincée dans cette cage, crois-moi. Oh là là, t'es tellement déprimante. Voilà qui est mieux. Avec ses lunettes, on voit toujours la vie en rose. Au fait, je m'appelle Lizzie. Oh, t'es douloureusement mignonne. Très bien, on va passer au test. Je vais récupérer vos téléphones et on pourra commencer. Mais c'est une terrible nouvelle. Faudra passer sur mon cadavre si tu veux prendre mon téléphone. Mais on dirait bien que c'est impossible de tricher ici.
Il y a un espion exprès dans cette classe pour ce genre de situation. Quoi ? Mais c'est le mien ! Rends-le-moi ! Maintenant, tout le monde sait qui est la pire élève de la classe. Oh, t'inquiète pas, Mercredi ! C'est qu'un petit F, c'est pas grave. Comment ça va, les filles ? Terriblement, j'espère. Waouh, meuf, t'as vraiment une mauvaise mine. Hé, Lizzie, j'ai une idée. Hé, Mercredi. Oups, désolée, j'ai pas fait exprès. T'as l'air bien installée ici. Je crois pas, non. Dites bonjour à mon petit copain. D'où est-ce qu'il sort, celui-là ? Il va te manger, Lizzie. Salut, comment s'est passée ta journée, l'ami ? Tu veux qu'on s'amuse un peu ? Attends un petit moment, ok ? Cette guillotine va pas s'aiguiser toute seule, tu sais. Mercredi, on vient d'avoir un appel du principal. Pourquoi diable tes notes sont si mauvaises ? Tu es très vilaine en ce moment. Qu'est-ce qui se passe, Mercredi ? T'étais une gentille fille avant. T'étais l'enfant la plus intelligente de l'école. Mais maintenant, t'as que DF. À partir d'aujourd'hui, plus de jouets, plus de bonbons et certainement pas d'internet. Ouais, j'ai vraiment eu peur l'espace d'un instant. Oh, et c'est pas tout, Mercredi. Plus de toile d'araignée dans ta chambre. C'est trop bizarre. T'es beaucoup trop stricte. Ne discute pas avec ton père, ma chérie. Allez, assieds-toi et relaxe. Qu'est-ce que vous manigancez? Tu vas voir. Mets-toi à l'aise. On fait ça pour ton bien, Mercredi. Dis adieu à toute cette atmosphère morose. Ta chambre a vraiment besoin de couleurs vives. Regarde comme ils sont heureux, Mercredi. Tu devrais apprendre ce que veut dire le bonheur, tu sais? Amuse-toi bien, ma chérie. On revient vite. Me laissez pas ici! Au secours! Le dîner d'aujourd'hui s'annonce formidable. Mais on dirait qu'une invitée surprise à 8 pattes est à table. Skyler, bouge surtout pas! Les parents vont pas abandonner leur cuisine si facilement. Ils vont devoir chasser ce monstre. Il est quelque part dans le coin. Allez, sors de là! Tu pourras pas te cacher longtemps! Skyler, j'ai peur! Fluffy, où t'es passé? Viens voir maman! Ah, te voilà, idiote! Rentre à la maison. Mercredi, nous laisse pas ici! On est là, chérie! On dirait que les parents ont échafaudé un autre plan sournois cette fois-ci. Salut, mon garçon! Mercredi va arriver dans une minute. Elle est sûrement en train de se repoudrer le nez. C'était quoi, ça? T'inquiète pas, Jack, ça va aller. Ah, te voilà, ma chérie. On a une surprise pour toi. Dis bonjour à Jack. Tiens, c'est pour toi. Oh, c'est très original. Maman, papa, on part se promener. Je rentrerai tard. Amusez-vous bien, les enfants. Piou! Je crois qu'on s'en est bien sorti cette fois, Skyler. On va enfin avoir une fille. Ouais, je suis tout aussi heureux que toi, tu sais. Oh! Hey! Vous allez vraiment m'adopter? Bien sûr, ma chérie! Ah, mes chéris! Allons-y! Ouais, on va y aller! Maintenant, on va t'emmener dans ta nouvelle maison. Ha-ha! Je t'ai eu, Abby Chippy! Abby! Boum! Hey! Qu'est-ce que... Ah! Oups! Oh, quelle adorable jeune fille! Quoi? Vous allez l'adopter aussi? Bien sûr, ma chérie! Non! Ouais! Waouh! Bienvenue dans votre nouvelle maison. J'entre en premier. Non, hein, moi la première. Waouh! Je veux voir tout ce qu'il y a ici. Grrrr.
Oh! Hé, fais pas ça, on va rester coincé. T'as peur? Abby la poule mouillée Oups! Waouh! C'est magique ici! Bienvenue dans votre chambre, les filles! Oh! Oh! Ah, bien sûr! On a affaire à des enfants peu ordinaires! Ah, je vois! Un peu plus de rose, mademoiselle? Ouais! Voilà! Tada! Waouh! On peut aussi ajouter un côté rebelle? C'est parti! Et voilà, t'es contente? Cool! Wow. Carrément! Bon, une dernière chose. Fermez les yeux, s'il vous plaît. Allez! Génial, hein? Oh! Et voilà, t'es la plus belle poupée du monde! Une fille de millionnaire devrait pas jouer avec ce genre de poupée. Avec quoi je devrais jouer alors? Avec de vraies princesses, bien sûr! Wouch! Waouh, t'es une vraie princesse? Bien sûr! C'est incroyable! Hein? Hé, qu'est-ce qui se passe? Ah! Tu peux peut-être la dégeler, non? Je sais que je l'ai, moi, désolée! Comment ça? Tu vas être la risée de tout le monde à l'école! Alexa! Alexa, arrête ça tout de suite! Allez! Je vois! L'argent résout pas tous les problèmes, finalement. Un sèche-cheveux, ça suffira pas. C'est parti! Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais ce qui devrait l'aider, maman. Non, Alexa, pas de feu dans la maison. Elle a besoin d'une douche bien chaude. Ouais. Oh! Abby, ma chérie, comment ça va? Atchoum! Je crois que j'ai chopé un rhume, maman. Tchoum! Te mêle pas de ça, chérie. Bois, Abby. Abby, bois. Vroom! Tchou-tchou! Oh! Waouh! Ça doit être trop cool de jouer avec cette voiture. Ah, j'ai quelque chose d'encore mieux pour toi. Mouah! Allez, vas-y, ma chérie, amuse-toi bien. Mouah! Waouh! Ouh! Oh là là! Je crois qu'on devrait virer la pilote. On peut pas faire ça, ma chérie. Pourquoi pas? On peut pas virer notre propre fille, n'est-ce pas? C'est Alexa qui pilote l'avion? C'est trop drôle! Aou! Aou! Ah! La la la! Chérie! Ta ta ta, le thé est prêt! Ah, on peut enfin se détendre un peu! Tu m'attraperas pas! Prends ça, espèce de sale petite! Aouh! Prends ça! Tu penses quoi de ça, hein? Fou! Et ça? Oh, papa, je t'aime tellement! Maman, je m'ennuie! Joue avec moi! Maman! S'il te plaît, maman! S'il te plaît, s'il te plaît! Papa, 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 papa! Oh non, je crois qu'on est en retard pour la réunion, n'est-ce pas? Maman! Papa! Oh non, tout sauf ça! Quoi? T'aimes pas mon nouvel animal de compagnie? Tu perds rien pour attendre!
Hihihi. Oh, tu nous échapperas pas. Non, non. C'est quoi ça là-bas? Où ça? Oh. Je parie qu'il y a une tonne de chamallows là-derrière. Non. Je parie qu'il y a des motos de course. Ouvre la porte. On peut pas l'ouvrir sans permission, c'est interdit. Je vais le faire moi-même alors. Oups. C'est pas ce que j'attendais. Oh. T'as entendu ce bruit? La femme de chambre a encore dû faire tomber un lingot d'or. Ah ouais, ça doit être ça. Oh, chut. Aujourd'hui, je vais faire à maman et papa le meilleur gâteau du monde. Une cuillère de sucre, une pincée d'amour. C'est parti! Il est temps d'appeler maman et papa. Je parie que t'as faim, Bobo, non? Je vous ai fait un gâteau! Berk! Méchant chien! Abby, t'aurais pas dû faire ça! Il y en a une qui va se faire punir. Abby, faut pas nourrir le chien avec ça. Bobo a son propre chef. Je suis restée debout toute la nuit pour préparer ça. Oh, je suis désolée. Bon, t'inquiète pas, tu savais pas. Oh, et si on commandait une pizza? Ouais. Allez, viens. Ah! Abby Chippy, Abby Chippy, Abby... Oh, c'est pas pour toi. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mariage de maman et papa. Je vais leur faire un cadeau encore mieux. Ils m'aimeront encore plus que toi. Hihihi. Non, non, ils vont préférer mon cadeau. Tu te souviens du jour où je t'ai demandé en mariage? Bien sûr. Bien sûr que oui. Surprise. Waouh! Oh, chérie, ça va? Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Bienvenue, bienvenue, hein! Oups! Aouh! Lâche-moi, Alexa! Quoi, t'as peur? Dégage, laisse-moi tranquille! Hihi, c'est l'heure de la douche, Abby. Oh! Grrr! Oups! Oupsie! Je te déteste! Hihi! Wow! Loupé, tu m'as loupé! Ça suffit! Abby Chippy! Ah! Ah! Aouh! Bonjour. On n'en peut plus. Aide-nous, s'il te plaît. Je peux arranger tout ça. Mais pas gratuitement, bien sûr. L'argent n'est pas un problème. Ah oui, bien sûr, tiens. Prends-les. Je vais vous dire ce qu'il faut faire. Écoutez-moi bien. Stop, on fait la paix. Oh, piou! Où sont papa et maman? Ils veulent pas te voir. Bla 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 bla. Oh, quelle adorable petite fille. Mais qu'est-ce qui se passe? Regarde ce que j'ai pour toi.
Tiens, mon cœur. Oh, oh, oh. On a été trop vilaines. Et maintenant, papa et maman ont adopté une nouvelle fille. Oh non. Arrête de brailler. On doit faire quelque chose. Maman, papa, on se battra plus. S'il vous plaît, nous échangez pas contre d'autres filles. Mouah. Oh. On vous échangerait contre rien au monde. On vous aime malgré tout. Oh. Ma chérie, occupe-toi de ta petite sœur pendant mon absence. Qu'est-ce que ça dit? Que c'est moi qui commande maintenant. On va te couper les cheveux. Oh non, s'il te plaît, ne fais pas ça! Non! Et les jambes sont déjà collées. Regarde, ton petit ami embrasse quelqu'un d'autre. Où? Il n'y a personne. Hein? Oh. Abby? Elle ne m'a jamais aimée. Molly, éloigne-toi de moi! Abby! Abby! Oh, allez, Abby, je plaisantais! Abby est partie? Hein? Abby est partie? Les filles! Je suis de retour! Papa est de retour! Bien. Où sont mes filles? Ah! Te voilà! Papa! Comment s'est passée ta journée? Bien! Parfait! Mon bébé Abby! Je t'ai apporté des cadeaux! Quelle main? Alors? 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 Waouh! Qu'est-ce qui s'est passé? Papa, calme-toi! Abby va bien! Elle a juste disparu! Elle a disparu! Disparu? Disparu! Je vais rester ici pour toujours. Ouais. La 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 la. Burk. Peu importe. Vivre avec des cafards est mieux que de vivre avec Molly. Pam 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 pam. J'aimerais que ce ne soit pas si ennuyeux ici. Il n'y a pas de télé là. Bien sûr, la télé. Elle a disparu. Elle a disparu. Oh, disparu. Disparu. Oh, c'est pas possible. Elle a disparu. Yeah. Oh, elle a disparu. Abia. Disparu. Papa, calme-toi. Tout va bien se passer. Mais comment est-ce que tu peux être aussi détendu? Elle a disparu. C'est ta sœur. Maintenant, cette pièce m'appartient. Ah. Oh. Hein?
Maintenant, je peux regarder ce que je veux. Je n'ai plus besoin de partager mes jouets avec qui que ce soit. Cool! Yeah! Mais qu'est-ce qui se passe? Papa, pourquoi es-tu triste? Plus personne ne va peindre tes documents et gâcher mon maquillage maintenant. Ouf. Oh, un cracker de fête! Hein? Wouh! Oups, je suis désolée, papa. On va certainement la trouver. On veut juste faire une meilleure photo. Allons-y. Excusez-moi. Elle s'appelle Abby. Elle a 10 ans et ses yeux sont... démoniaques. Ses yeux sont bruns. Est-ce qu'elle est aussi belle, très gentille et douce? Oui. Non. Oui. C'est elle? Oui. On dirait bien que c'est elle, oui. Merci beaucoup. Prenez ça. Allons-y, Molly. On va mettre des affiches partout. Vous ne la trouverez jamais. Enfin, vous ne me trouverez jamais. Je vais manger quelque chose maintenant. J'ai une meilleure idée. Oups. Ok. Quelqu'un a accroché le tableau de travers. Ce cachet est amusant, c'est sûr. Mais j'ai quand même besoin de manger. Vide. Et c'est vide. Livraison de nourriture. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Bonjour. Je suis là. Votre commande. Merci. Au revoir. La pizza secrète est encore plus savoureuse. Pourquoi je n'arrive pas à te trouver? C'est exactement ce que je me demande. Pourquoi je n'arrive pas à te trouver? Je ne parle pas d'Abby, j'ai besoin d'un globe pour mon cours de géographie. Sinon, je serai expulsée et je passerai toutes mes journées avec toi. La la la. La 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 la. La 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 la. Je vais regarder dans le grenier alors. D'accord.
Oh, c'est pas mal ici. Bien, le globe. Hein, il n'est pas ici. Il ne l'a pas trouvé. Alors, où est-il? Tu ne le trouveras pas. Oups. Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Avec moi, personne ne peut se cacher. C'est sûr, personne ne peut se cacher. Oui. Un jour, je ferai une pièce secrète là-dedans. Désolé, papa, mais c'est déjà pris. La 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 la. Chérie, il est temps de rentrer à la maison, allons-y. Pas question. Eh bien, il faut qu'on y aille. Non, je n'y vais pas. On doit y aller. Je ne veux pas. Papa, à l'aide. Abby, je vais te sauver, ma chérie. Arrête de jouer la comédie. Oh, tu as volé mon enfant. Mon bébé, Abby. Je vais appeler la police. Je ne suis pas Abby. Hein? Non, monsieur. Je vais appeler les flics. S'il vous plaît, non. Excusez-le, ma petite sœur a disparu. J'espère que tout ira bien pour vous. Ça doit être dur pour toi d'être sans ta sœur. Ça l'est. Abby me manque. Ah, je sais, ma puce. Ah, moi aussi. Tu veux voir une photo d'elle? Oui. Tu te souviens quand on était à cette plage? oui. Oh, et mon anniversaire. Oh, oui, oui. On a toujours passé de bons moments ensemble. Ma chérie. Vous m'avez manqué aussi. Abby, Moni. Stop. Alors tu étais où pendant tout ce temps? Eh bien, oui, papa. Papa. Papa? Je suis si heureuse que tu sois de retour, Sœurette. Viens par ici. 1 mois. Non, 6 mois. 6 mois sans bonbons. Ça t'apprendra à jouer à cache-cache.